Bertrand Percher, bonjour. Quel est votre rôle au sein de cette société Randy qui fête cette année, en 2023, ses 120 ans? Eh bien, cher Randy, je suis le responsable industriel. Je vais m'occuper de gérer les productions, les fabrications, les hommes qui vont fabriquer ces produits et les plannings. Et indirectement derrière ces plannings, on a le suivi des machines, l'optimisation des process. Donc un peu, vous êtes le pilote ou le commandant de bord de cette maison, 76 personnes je crois. Exactement, 76 titulaires avec un volant non négligeable de personnes intérimaires. Donc voilà, je suis un peu le pilote, mais avec des collègues de travail aussi bien sur le plan de la maintenance, de la qualité, du commerce et bien sûr de la comptabilité RH. Alors parlons un petit peu, hein, parce qu'on est quand même dans une région et une ville très gourmande. Parlons des produits Randy. Là, vous présentez, au-delà des 120 ans, vous présentez aujourd'hui des nouveautés, alors, Bertrand. Ces nouveautés. Donc vraiment, c'est l'axe principal, c'est la gourmandise. Des brioches apéritives aux garnitures variées, tomates basilic, pesto, olives, qui peuvent être consommées chaudes ou froides, donc vraiment en version estivale pendant l'été ou période un peu plus humide pendant l'automne. Mais on a aussi notre saucisson déjà cuit. La particularité par rapport à un saucisson à cuire traditionnel, c'est le fait qu'il a été déjà cuit en entreprise. Donc dès son achat, il peut être consommé froid, voire réchauffé sur plein de chats ou grillé au four. On l'a vu tout à l'heure dans une casserole, enfin pas une casserole, enfin une sorte de petit bac, de petit plat, avec des tomates à passer au four, à gratiner, exactement. On augmente les possibilités d'utilisation de nos produits. Quoi d'autre encore comme produit chez Randy, ce traiteur lyonnais de Chaponneau? Faites-nous saliver. Ceux qui ont vu l'entreprise se créer en 1903, les saucissons à cuire, un savoir-faire de la version nature, pistaché ou au cèpe, des saucissons briochés avec une brioche très aérée, très légère, très gourmande, et ce saucisson brioché qu'on va décliner en version apéritive. Mais donc là, on est dans une gamme très traditionnelle. Donc moi, je veux vraiment rester sur la note, ces brioches apéritives qui démarrent là, au 1er avril, c'est ce côté nouveau et qui permettra de toucher et de satisfaire beaucoup plus de consommateurs. Bertrand, on n'a pas parlé d'un produit qui est très lyonnais, qui est emblématique des bouchons lyonnais, entre autres, l'andouillette à la fraise de veau. Ah, ben oui, un incontournable. Ah, ça vous fait saliver, ça. Oui, effectivement, mais j'en ai un autre encore. Donc, cette andouillette qui va être panée, comme dans la tradition lyonnaise, les andouillettes panées lyonnaises. Mais à côté de ça, on n'a pas parlé des gratons aussi, un graton lyonnais, produit qui vient accompagner ses repas dans les bouchons lyonnais. Donc oui, c'est des produits et des références que l'on peut retrouver chez nous à la marque Randy. Donc on est en plein dans le cœur de la lyonnaiserie militante et la lyonnaiserie gourmande. Absolument, le mâchon, le bouchon, ça c'est des mots qui font partie de notre quotidien. Bertrand Percher, merci. Le mot de la fin que l'on pourrait écrire, hein, cette circonstance, FIM, à cet instant précis, nous sommes pratiquement à midi, vous avez envie de quoi? Ah, allez, une tranche de saucisson avec un petit verre de vin rouge. Un petit feuilleté après? Et pourquoi pas? Exactement, pour accompagner un petit peu de verdure. Mais oui, effectivement, ce sera un repas qui me ferait énormément plaisir. Et on poursuit avec quoi? Une andouillette? Oh, c'est pas sérieux, mais pourquoi pas, oui. Une petite cervelle de canut? Pour terminer le repas, bien sûr. Pour terminer, peut-être une gâterie, une douceur? Une tarte pralinée? Oh. Vous êtes vraiment très lyonnais. Bertrand Percher, merci, bravo, félicitations pour vos 120 ans. Merci enfin, beaucoup. Pas vous directement, non, parce que indirectement. Vous êtes bien plus jeune. Merci pour votre implication dans cette société Randy qui fait partie du groupe Martinet. Bertrand, merci, bel appétit et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.